Bonjour à tous, ici c'est Barcilou, donc je prends le train en marche, j'essaie de reprendre ma partie là où je l'avais interrompu, c'est-à-dire en plein affrontement de la petite sœur, non c'est pas la petite sœur, c'est la grande sœur. Je vais essayer de m'en sortir, mais ça va pas être du gâteau. Donc, on va ouvrir la porte et rentrer dans le vif du sujet. Attendez que je me... Elle est où la grande sœur? Oui. Putain, elle est rapide, hein. Et voilà, j'étais pas assez rapide. Faut dire avec mon scaphandre, je peux pas faire le 100 mètres en 9 secondes. Où est-ce que tu te caches? J'aimerais te voir. S'il te plaît. Où es-tu? Montre-toi. Je refasse ton portrait. La charge. Ok, bah je vais y arriver comme ça. Je vais mourir plusieurs fois et je vais t'avoir. Allez, va. Voilà. Rivet lourd, rivet piégé. Ça va, ma belle.
presque. Je l'ai presque. J'ai tué une grande sœur. C'est une première. Bah ça alors, même la grande sœur n'arrive pas à t'envoyer au tapis. Bon, tu n'as plus qu'à revenir ici et à faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à deux sous. Oh, elle a mis des petits nœuds. J'ai plus que des rivets piégés. Ah, c'est dommage, j'en ai gaspillé. Allez, je vais essayer de terminer cette mission. En conserve ! Quelle honte ! Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'il se trouve ? Je me suis trompé. C'est pas grave. James était le seul homme que j'ai jamais aimé. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'était jamais venu à Rapture. Il m'a entendu chanter au limbo. Il est venu me voir, tout timide. Il aimait entendre des chansons sur la vie dans cette ville. Je crois qu'il essayait de monter les gens contre Ryan. Et maintenant, il est parti. Et moi, je suis là, à chanter « Dresse-toi fièrement, Rapture !» La gorge serrée par la peur. La peur qu'il vienne me chercher. Son paradis. Un temple dédié à la toute-puissance de l'ego. Et pour quel résultat? L'esclavage, le génocide, le chaos. Maintenant que le tyran est mort, ça y est. Voilà enfin un groupe uni, une seule et même famille. Impressionnant, vraiment. On peut dire que toi, tu as un don. Maintenant, ouvre le tunnel depuis le poste de sécurité et je te rejoindrai à bord. Ok. Donc ce n'est pas encore terminé. Ok. Redémarrer le train. Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi, petit, on va s'entendre. Moi qui croyais que tu n'étais qu'un golem de Sinclair, venu ici pour saccager Rapture pendant que le brigand lui faisait les poches. Je comprends maintenant. Tu as conscience de ton sort. Qui pourrait être aussi cruel? Pour obliger un homme sans visage à affronter le miroir. L'ombre nous attendait. Il va falloir sortir le grand jeu. Vas-y, démarre le train! Tu permets, je fais le ménage. Reviens,
Je note votre parcours. Je dois m'abriter. Un éclair du ciel. Comment dire, je suis nul. Andrew Ryan estimait que la libre entreprise était le Saint-Esprit qui nous mènerait tous à l'Éden. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'était une vieille putain qui ne rapportait rien de plus qu'une armée de morpions. Résultat des courses, ce bon vieux Ryan est devenu l'ombre de lui-même. Et moi, je me suis fait des couilles en or. On va pas partir sans faire un peu le ménage et récolter quelques munitions et autres points de santé. Ryan Amusements. Que nous sommes prêts, on va embarquer pour la prochaine destination que j'ignore. Ok, c'est ce que je viens de faire, merci de me le rappeler. C'est oui. Et qu'on va démarrer le train et on s'en va. C'est parti.